We need to talk face to face, or I'm gonna be dead! Comme vous avez pu le constater, mes vidéos commencent toujours avec des personnes plutôt ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires. Kristen est vraiment hyper heureuse quand elle apprend qu'elle est acceptée à l'université de Floride. Ça va être le grand départ pour l'université. Elle va se faire de nouveaux amis, elle va voir autre chose, un autre paysage que sa ville natale. Et donc, elle se précipite à la fac avec plein d'espoir. On est en 2012 à ce moment-là, hein, et Kristen donc commence sa première année de fac, et elle découvre donc sa fac, elle se fait de nouveaux amis, et au début, tout se passe plutôt bien. Un soir, Kristen rentre chez elle, elle se connecte sur Facebook comme beaucoup de gens, et elle voit qu'elle a une demande en ami. Là, elle se dit « Hmm, intéressant, c'est un garçon, il s'appelle Patrick Maccioni ». Elle bug un petit peu sur son profil quand même. Elle se dit, ce garçon, vraiment, j'ai pas l'impression que je le connais. Il me dit absolument rien. Malgré tout, elle accepte sa demande en se disant, bah, peut-être que je l'ai déjà aperçu, qu'on s'est rencontré quelque part et que j'ai tout simplement oublié. De là, Patrick vient lui parler. Il lui parle de manière vraiment très cordiale. Et il lui dit, écoute, bah, Kristen, on était dans la même classe au lycée, mais peut-être que tu ne te souviens pas de moi. Kristen, encore une fois, bug un petit peu. Elle se dit, non, ça me dit absolument rien. Mais bon, c'est vrai qu'au lycée, on est parfois mélangé avec plein d'élèves différents dans la même classe. Alors, je ne l'ai sûrement pas remarqué alors que lui m'avait remarqué. Donc, elle se dit, je vais la jouer calme et je vais faire comme si je me souvenais à peu près de lui. En tout cas, il continue à parler et la conversation est plutôt sympathique, voire amicale. Mais de petits messages classiques, la conversation a pris une tournure un petit peu gênante pour Kristen, puisque Patrick commençait clairement à lui faire du rentre-dedans, à lui exprimer son intérêt, et à lui dire qu'elle était jolie, qu'elle était bien habillée ce jour-là, cette photo-là était vraiment jolie, etc. Vous connaissez ce genre de petits jeux de séduction qui peuvent être très gênants quand l'intérêt n'est pas réciproque. Mais en soi, Kristen pensait que ça irait. C'est un garçon qui était plutôt gentil, du coup elle voulait pas le repousser de manière trop brutale, trop violente. Ça fait que le message n'a pas été compris. Il n'a pas compris que Kristen n'était pas du tout intéressée par lui et il a continué à lui envoyer des messages d'amour. Et à un moment, il a même commencé à lui envoyer des vidéos. Ces vidéos étaient vraiment, vraiment angoissantes pour une jeune fille qui vivait toute seule. Dans ses vidéos, Patrick disait qu'il la trouvait belle, qu'il pensait qu'ils étaient faits pour être ensemble, et finalement, ce qu'il faisait par message, il le continuait en vidéo. À ce moment-là, Kristen s'est dit « je vais aller voir la police » parce que, clairement, ce garçon a un comportement clairement bizarre. Donc elle est allée voir la police, elle leur a expliqué la situation, ils lui ont dit « écoutez, mademoiselle, c'est un garçon un petit peu excentrique, mais on peut rien faire contre ça, il vous a pas fait de mal, donc pour l'instant vous allez devoir continuer comme ça. » Voilà, de manière assez globale. Donc Kristen était vraiment dégoûtée. Elle s'est dit, si la police ne peut pas m'aider, qui va m'aider? Patrick a continué à envoyer des vidéos. Il envoyait aussi des messages. Toute la journée, il l'a harcelée, clairement. En fait, il ne pouvait pas se passer du contact avec Kristen. Bien sûr, à un moment, Kristen a cessé de lui répondre. Elle a tenté de bloquer ses messages. Elle a tenté de bloquer son compte. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'éloigner de Patrick. Malgré tout, il lui envoyait des mails où il parlait vraiment de ses fantasmes. Il disait qu'il aurait aimé l'attacher à un lit. Et vous imaginez la suite. C'était des messages qui étaient pour Kristen très difficiles à lire parce qu'elle ne savait pas comment se débarrasser de ce garçon. Et finalement, c'est monté d'un cran parce qu'elle a remarqué que Patrick la suivait. Il avait trouvé sa fac, il avait même trouvé son lieu de travail, et dans tous les cas, Kristen savait qu'il vivait à Orlando comme elle. Donc elle était extrêmement angoissée au quotidien à l'idée de le croiser. Et quand elle a compris qu'il s'infiltrait un peu dans les lieux qu'elle fréquentait, là elle est allée voir la police en se disant « là j'ai une bonne raison vraiment de m'y rendre, ils vont peut-être pouvoir m'aider ». Là en effet, la police lui a dit « écoutez,
on va vous donner une injonction d'éloignement, comme ça il ne pourra plus, en tout cas légalement, vous approcher. Mais la loi et la réalité sont deux choses différentes. Ça n'a pas empêché Patrick de continuer à suivre Kristen. Et à partir de ce moment-là, elle était vraiment terrorisée. Elle a commencé à changer son apparence une à deux fois par mois, à se faire des couleurs, à se décolorer les cheveux, à changer de style vestimentaire, tout ça pour qu'il ne la retrouve pas, qu'il arrête de la suivre. Sa hantise, c'était vraiment que Patrick trouve son adresse et qu'il vienne l'agresser chez elle. Parce qu'elle se disait, avec les vidéos que j'ai pu voir de lui, il est capable de vraiment tout. Un jour, le sergent Mark Conway patrouille dans la ville d'Orlando. Il fait sa petite patrouille quotidienne et à un coin de rue, il remarque un jeune homme qui a l'air vraiment suspicieux. Il a un gros sac à dos sur le dos et il regarde dans tous les sens comme s'il avait peur. Mark Conway, à ce moment-là, pense à un vol. Et ses suspicions se confirment puisque quand il se gare près du jeune homme, il abandonne son sac et il se met à courir. Mark Conway récupère le sac et l'emmène avec lui au poste pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il trouve une grosse caméra. Donc il se dit, ah bon, c'est peut-être l'objet qui a été volé par ce jeune homme. Et puis il commence à regarder les vidéos dans la caméra. Il réalise que dans ces vidéos, c'est bien le jeune homme qui s'est enfui. Donc sûrement, cette caméra lui appartient. Dans ces vidéos, le jeune homme a l'air extrêmement perturbé, extrêmement troublé, et surtout il parle toujours d'une personne, Kristen, Kristen Pratt. Là, Mark Conway se dit, c'est le seul nom qu'on a, parce qu'on n'a pas le nom du jeune homme, je vais essayer de voir dans les registres si je peux trouver quelque chose à partir de là. Et justement, en tapant le nom de Kristen dans les registres, il tombe sur les différentes plaintes qu'elle a déposées, il tombe aussi sur l'injonction d'éloignement, et il se dit, ah, ok, là on a un vrai cas. Il appelle la jeune femme et il lui dit, bon, je suis tombé sur cette caméra avec ces vidéos-là, est-ce que vous savez que vous êtes en danger? Est-ce que vous savez que ce garçon va finir par vous tuer? Là, Kristen se dit, bon, enfin quelqu'un m'écoute, ça fait des mois que j'essaie de le dire, personne ne veut m'écouter. Et elle se sent extrêmement soulagée. Et donc le sergent Mark Conway va présenter le cas au procureur qui va prendre l'affaire en main. Patrick Mathioni est finalement condamné à 4 ans de prison, mais il ne va faire que 2 ans de sa peine et ensuite sortir. À sa sortie, presque immédiatement, il va être interviewé par différents journalistes et dans ses interviews, on voit clairement dans ses yeux qu'il est troublé, qu'il a besoin d'aide psychologique plus que d'être enfermé en prison. Et pour lui, il n'a fait absolument aucun mal. Pour lui, il n'y avait aucune raison pour Kristen de se sentir menacée, il le dit clairement, et il a effectivement affirmé qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Mais on a du mal à le croire quand on voit la folie dans ses yeux. De son côté, Kristen a déménagé, mais le traumatisme est encore présent dans son esprit, puisqu'elle a beaucoup beaucoup de mal à s'endormir, et elle fait souvent ce rêve-là de Patrick Mathioni qui débarque chez elle, et elle se réveille au moment où il entre dans sa chambre. Ce genre d'affaire, moi, me terrifie. J'ai vraiment peur un jour de tomber sur un stalker. Je ne vous l'ai jamais dit, mais il m'arrive de recevoir des messages réguliers de personnes qui m'envoient des messages dans le vent. Je réponds jamais, mais c'est extrêmement flippant de voir à quel point ils insistent. Voilà, ils s'inventent une relation avec vous, ils s'inventent une vie avec vous, et je trouve ça extrêmement, extrêmement, extrêmement angoissant de mon côté. Et dans tous ces cas-là, j'ai toujours bloqué la personne par peur d'avoir des problèmes dans la vie réelle. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'histoire de stalking, de harcèlement en ligne par des amants éconduits? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage vraiment. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous regardez régulièrement les vidéos, abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Faites attention à vous en attendant la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.